نسل إوسرا غيردي بيان أونفكين الحرمة ماس حسن حيرش أردي أوي غفي في سليمان عزم بلسور ريزيليونس دي تزورا فغير كان الدنيا وكنا ذي في الدوخام أكن نزرا أكن من الله يسف كان سعو لساس أنفكي جقا أنسعو جقا سينا كين أنسفد سقف أسان أولد هيلين غفي وندقوي ذي لن ذي لساس نوخامنا سليمان عزم مدنا نغرس كن لنا كيم زورنا هو يبيد خرا ذي لساس نغس توثليث ويبيثيت سوى نساين ويبيثيت سوى زبو سي من غير غاف ثلالي نتمورثنا نسعى عطاس نيسما ون سليمان عزم سي محمد ومحمد فاطمة سومر أرثي قرا ماشي ذي ون أثي بنادر أرنان دارسن يشقى يشقى يقارسن مولود أثم عمار لما ذن سيدي سفن الساسي سود يشقى أدنا أنا غرسن أنفقين عن الحرمة غسا مس حسن حيرش يقتنا ذين غف الساس أغدي وين أول نكوني نسارم سي غر الزاثة نسي وضحة ثاني كرا نسقف يوكنا غف خامنا أما ذا الهروري أما ذا الفلاون أما ذينك إد سيدي كث وشنقو ناغ وعذاو نتفرق نوكفا نتقفيليث نلساسنا نتماهيثنا ثان ميرثينك أما سحيرش أسفك غوال ذك تزوارا إيف القاسم إيوكنا غدي مستيف إخلا أخيرا خيرا سلفتي غافين فقينا أزول فلاون ميرثي ميدو سنة ساقي روسارة كاكي شادني نية حسن حيرش يعني دبنا في الناس دروس ديونو مغن أس يلحونا في توقدو يلحونا في تللي يلحونا في زرفان donc je vais le présenter en français, M. Fmié. Donc il est universitaire et consultant. Il était dans tous les combats pour la démocratie et la liberté dans la diaspora kabyle en France. Il est notamment dans le groupe d'études et de recherche berbère à l'université Vincennes Paris 8. Il a de la coopérative Imdiazen. Khordatas, donc il a côtoyé beaucoup, il s'attas les membres de l'Académie berbère. Donc c'est dans les années 70, fin des années 70-80. Il était aussi enseignant de Mazir à l'université Paris 8, en langue et civilisation berbère. Il est membre actif des droits de l'homme et de la démocratie en France, notamment les collectifs des droits culturels en Algérie des Maniennes, donc dans les années 80. En 85, il s'est le collectif contre la répression en Algérie, la Ligue des droits de l'homme. En 2001, il aide le collectif d'aide aux blessés, et il est membre de conseiller de Riposte internationale qui dénonce la répression et les abus des mortes des mortes إميّن عدو سامة أرغيّن إكنا أنميف دالتكتوين فنمير في الاسوسياسيون إغيّن فيدراسيون زمازير أمريك دو نور بروميير كونتاكت إنو القاسم أنا إشانجي بوكو مبعد les autres membres j'ai fait connaissance au fur et à mesure أتاكم صحا ولا عرفقي إغيّن c'est l'association Eginwen. Je suis vraiment très honoré d'être ici parmi vous. Justement, comme par hasard, c'était pour une conférence sur Slimanazm, donc le hasard. Et en plus, je vais être quand même franc avec vous et vous avertir un petit peu sur la structure de mon livre pour ceux qui auront à disposition ce livre. En réalité,
sur l'œuvre de l'Unisait Mingilat. Alors sur l'œuvre de l'Unisait Mingilat, j'ai écrit à peu près une quarantaine de pages, 50 pages. Et puis, à Moissac, avec un ami restaurateur, Smith Abdelzak Chakri, et ça a un très beau restaurant d'El Peri, Smith El Canoun. Et je l'avais convaincu pour qu'on achète la maison, l'ancienne maison de Sliman Azm, pour en faire un lieu culturel, un lieu de pèlerinage, un musée, etc. Donc, on a fait beaucoup de voyages à Moissac et tout ça. On a essayé d'avoir un crédit. Malheureusement, on n'a pas pu, pour être franc. On n'a pas pu. Abdelzak a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu presque 20 000 euros. Voilà. Et donc, dans ces voyages-là, évidemment, à chaque fois, on se rend compte que c'est le manège. Et bref, avec une nièce et un neveu de Sliman, et puis Abdelzak Hagi, et le gardien du cimetière, et il a dédicacé le gardien du cimetière, qui est un Portugais. كنغدي ولا بينا نروح دار غورنا هنا كتبت كتاب في كيت ديون نكينو لا قرغارا كل سيناريو نسي ما نعزم وزالي انك وزالي اون فير ان ميور ايزاج كو موا اي بي لا نيس النوف د سليمان انا اذا حسن سي سي با د انكونفينيون tu vas lire ce livre pour nous et tu vas voir si c'est pas diffamatoire si c'est il y a pas de truc auquel cas il va falloir qu'on engage une procédure, qu'on empêche la diffusion. Donc, Bursid, je l'ai avalé le livre. Je trouve que l'auteur, c'est quelqu'un que je connais très bien, depuis les années 80. Il est venu, je l'ai même fait venir plusieurs fois dans mon cours, il a fait des conférences, etc. Mais j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu du livre. Il y avait deux lignes, il y avait deux ou trois phrases, deux lignes. Alors que c'était un poème qui aurait pu être l'hymne national. À côté de Kassaman, Frère Jarat Temurthiou, il défend en 1956, il y avait le congrès de la Souma, donc il aurait pu être un hymne national. Donc, il y a un petit article sur Frère Jarat Temurthiou. Et puis, j'étais inspiré par ce chant-là. Il faut le réécouter. Il faut réécouter ce chant, c'est extraordinaire. Il commence déjà par un poème simohandien, en forme de neuvain, en forme de... Donc, trois vers, avec des rimes croisées, A-A-B, trois fois... Donc, c'est vraiment ce qu'a décrit Mouloud Mamri, je le dis ici dans le livre, ce qu'il avait décrit comme étant un neuvain simohandien qui n'existait pas auparavant. C'est lui, le créateur de cette composition-là. Donc, Tserour, et puis, ou alors Emmanuel, où j'ai écrit 33 pages. 33 pages, un article, Bzef, où m'a regardé le hal. باش كنا في جزمه كني ديما يثغاب يوثن تيكتي في كتاب صبويضه راه جاي كوزان عبد النور الى يوني سقسيد ذاك تو تشوت فلاس عبد النور انك يا بتي كوزان انك يا قد تكمل ثقي خمس كتاب ثقي 80 باج نا 90 باج ان فاسيكول سا فا سوفير اي تو سا دونك حالسي كني ما انكوراجي اي بي فوالا صوت كتاب ثقي صوت كتاب ثقي سي بور سا كو ceux qui ont le livre, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire, Frère Jarat Temurthiou, c'est le cœur de l'ouvrage, mais évidemment, il fallait sortir de là. Il fallait donc prendre des autres compositions, et donc j'ai pris des stances, des refrains, des strophes, des choses comme ça, dans le répertoire de Desliman, sauf... Je n'ai pas pris dans le répertoire, qui est aussi important, c'est peut-être 25% de sa production, tout ce qu'il a fait avec Cheikh Nordine.
Donc j'ai laissé ça pour d'autres fois, là, pour d'autres. Là. Et donc au fur et à mesure, évidemment, que j'ai avancé, j'ai trouvé finalement un slimanazm qu'on connaissait comme ça vaguement. C'est un chanteur, machin, il a quelques compositions assez particulières pour son temps. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'est d'une profondeur inestimable, inimaginable. C'est comme si on rassemblait, je ne sais pas, à la fois mes références étant francophones et simples. C'est bon, comme ça. C'est comme si on rassemblait Victor Hugo, Molière, puis je ne sais pas, peut-être Mallarmé, quelqu'un comme ça. C'est à la fois de la philosophie politique, de l'ethnophilosophie, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, et de la philosophie tout court, universelle. Etc. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai trouvé qu'il y avait une grammaire émotionnelle, une grammaire philosophique, d'une profondeur incroyable, qu'on n'a absolument rien à, je veux dire, à envier à la culture, à la philosophie occidentale, etc. Et je me suis rendu compte que si en Occident, je connais beaucoup moins, je connais presque pas du tout d'ailleurs, à part ce qui a été traduit en français, la culture américaine, sauf peut-être ces 20 dernières années, je me suis intéressé à un autre volet de ma casquette, une de mes casquettes, je me suis intéressé à la psychologie comportementale, donc évidemment j'ai étudié Milton Erickson, Fritz Perls, j'ai étudié Gregory Bateson, beaucoup de, évidemment, de psychiatres américains, de psychologues américains, etc. Je suis enseignant certifié en PNL, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait ce qu'on appelle les IOS, interventions orientées solutions, etc. Je suis coach de formation et donc je travaille aussi en tant que coach, etc. Donc j'ai pris quand même de la culture américaine. Et de tout ce que je connais, et le peu que je connais de la culture occidentale, eh ben Slimane Azm, vraiment, très franchement, il a rassemblé tout ça. Et avec comme seul capital de référence, notre culture ancestrale. Parce qu'il n'a pas été à l'école, Slimane Azm. Il n'a même pas eu son certificat d'études. Et donc, je me suis intéressé, d'ailleurs, si vous avez le livre, je vous disais que non seulement il y a un déséquilibre au frère Jalata Moufti où il y a une place de choix, mais en plus, ce qui devait être une introduction, finalement, ça s'est transformé presque malgré moi, presque à mon corps défendant. C'est une annexe. Donc ceux qui ont le livre, à la limite, si vous voulez d'abord vous imprégner de l'imaginaire azémien, de l'ancrage à la fois psychologique, psychanalytique, à la fois historique, culturel, anthropologique, etc., peut-être qu'il vaut mieux se référer, aller directement commencer par lire l'annexe 1 qui est en page 103, où j'ai parlé des sources de l'imaginaire azémien avec une chronologie des faits marquants de ce que nous, nous avons vécu. Quand je dis nous, jeunes, moins jeunes, etc. Pourquoi ? Parce que, précisément, toutes les sciences psychologiques, quelle que soit la psychologie, qu'elle soit psychologie individuelle, psychologie collective, psychologie comportementale, etc. Toutes les approches psychologiques que j'ai eu la chance d'aborder plus ou moins profondément nous renseignent que finalement nous n'avons pas uniquement hérité de nos gènes, de notre physique, de nos
nos traits physiques, de visage, de la taille, de corps, c'est-à-dire de nos parents, de nos grands-parents. Nous n'avons pas hérité que le physique, nous avons aussi hérité du psychologique. Il est évident qu'il y a une transmission psychogénéalogique, parce que malheureusement, dans les universités algériennes, il n'y a pas d'études de psychogénéalogie. Même en Occident, c'est relativement récent. C'est les années 50-60. Et ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur à partir des années 80. Et c'est venu d'ailleurs de vos voisins, des Américains. Quoique un des pères de ces sciences-là, qui est Eric Berne, qui a été entre autres l'inventeur de l'analyse transactionnelle, il a fait des études de médecine ici, à Montréal. Vous avez l'enregistré à l'université de Gilles Saint-Gilles. McGill. Voilà. Donc il a fait ses études de médecine ici. Après, il a émigré aux États-Unis où il a fait des études de psychiatrie. Il était évidemment avec Freud. Mais à un moment, il a trouvé que la psychanalyse, c'était pour la bourgeoisie. Il a trouvé que la psychanalyse, ça coûtait trop cher et que c'était trop long. Et donc, il a eu un éclair de génie pour justement permettre la thérapie à moindre coût et à portée de tout le monde. Donc, il a inventé cette approche extrêmement efficace qui a été utilisée d'abord dans les milieux médicaux, psychologiques, psychanalytique et psychiatrique, qui s'appelle donc l'analyse transactionnelle, et qui a débordé et qui a fini évidemment dans les entreprises. Les Américains ont cette caractéristique, c'est que quand quelque chose marche à l'université, ils la sortent de l'université et ils la mettent sur le marché, comme l'informatique, comme plein de choses. Voilà. Donc pourquoi je dis ça par rapport à Sliman Azem? C'est parce que nous portons évidemment les germes de ce qui s'est passé depuis des générations et des générations. Et le peuple kabyle, particulièrement le peuple amazigh en général, on a vécu non seulement plusieurs guerres, mais aucune génération n'a été épargnée. Sans remonter à l'histoire très ancienne, on peut se limiter à la période ottomane, donc trois siècles et on a souffert avec les janissaires, avec le système ottoman, etc. Xnar le pouvoir, Xnar, on rasait les murs, il faut pas croire, on était évidemment limité territorialement, etc. Donc on n'avait pas véritablement de poste d'autorité dans ce système-là, où on servait plus ou moins de chaouiche, ou bien on était adversaire, ou bien on était des collecteurs d'impôts, de taxes, etc. Ou bien on était carrément en marge et on subissait la matraque, on subissait la torture, on subissait des exécutions sans mère, ainsi de suite. Après, bon, dernièrement, évidemment, à Kemelena, on n'a pas fait de cadeau. Et d'abord, la révolte de 1871, je ne parle pas de celle de 1854-56 avec l'enfermement de Soumer, où on a été plus ou moins épargnés, où les Français ont décidé de nous faire garder les structures anciennes, etc. Mais 1871, on a été décimés. Je crois qu'on ne le dira jamais assez aux jeunes générations. Malheureusement, il n'y en a pas ici, mais sans doute qu'ils nous écoutent à travers l'Internet, à travers le web. 1871, la Kabylie, et j'insiste là-dessus, a perdu 50% de sa population. 50% de sa population. Par les exécutions sommaires, par les famines, par le bannissement, par l'exil.
la Nouvelle-Calédonie, la Guyane française, le Constantinois, la Tunisie, la Syrie, la Palestine. C'est des dizaines de milliers de familles kabyles tronçonnées, éparpillées, etc. Évidemment, c'est un coût énorme que nous avons payé et que nous payons toujours. Et donc, ces guerres-là, qui ont été évidemment plus ou moins décrites d'une façon, on va dire, oblique, pour utiliser l'expression de Kateb Yassine, de façon oblique par Simhandou Mohand et par Cheikh Mohand Al-Hussein, etc. Quand on lit Mouloud Mahamri, les travaux qu'il a fait, vraiment d'une immense importance, quand on lit Del Mouloud à plusieurs reprises, pas comme un roman, mais revenir dessus comme on lit un livre scientifique. C'est-à-dire, on voit non seulement la richesse, évidemment, de notre patrimoine, de notre façon de penser, etc., mais également les souffrances qui s'en dégagent, les stigmates qui restent, justement, de tous ces siècles de souffrance. Donc, ces guerres-là, évidemment aussi, Sliman Azem est né au lendemain de la fin de la Première Guerre mondiale 14-18, ce qui veut dire qu'évidemment, ses parents, ses grands-parents, non seulement portent les stigmates, non seulement il n'y a pas une famille kabyle qui a été épargnée, mais aussi il y avait la faim, carrément la famine pendant ces périodes-là. Il faut se rappeler, et puis on a perdu, les Kabyles ont perdu leurs terres, ont perdu leurs vergers, leurs oliviers, leurs arbres fruitiers qui ont été coupés, brûlés, dépossédés, etc. C'est vraiment une tragédie énorme dont on ne mesure pas jusqu'à aujourd'hui les conséquences désastreuses à la fois économiques, anthropologiques, surtout psychologique. Donc, Sliman Azem est né au lendemain de cette guerre. Évidemment, dans le village, on parlait de quoi ? On parlait de cette guerre. On parlait de cette guerre. Et comme on parlait de... Simhandou Mahandi venait de décéder pratiquement. Sliman est né en 1918. Simhandou Mahandi est mort en 1905. Il y avait le départ de l'immigration, l'exil. C'est pour ça que, évidemment, Sliman a commencé sa première composition à Mohamouh, c'est l'exil. Et donc, c'est toute cette configuration-là qui est comme un ancrage dans le travail, dans l'œuvre de Sliman, dont j'ai la prétention d'avoir analysé un tout petit bout. Quand on regarde l'épaisseur de cette œuvre, moi, c'est ce que j'ai essayé de dire en essayant de respecter sa grammaire émotionnelle, sa grammaire langagière, etc. C'est une feuille de papier sur une grosse rame, c'est d'une épaisseur inimaginable. Et voilà. Donc, pour ceux qui, évidemment, découvriront ce livre-là, vous allez voir que c'est vraiment insignifiant par rapport à... Mais enfin, donc, je suis parti tout simplement de 1830. De 1830, la colonisation, le roi Philippe, etc., la mainmise, évidemment, des conquérants sur l'Algérie au fur et à mesure, l'émir Abdelkader, qu'est-ce que ça signifie pour l'époque et pour nous, la révolte de la femme Soumé, ainsi de suite, les deux guerres mondiales, évidemment, la guerre de libération nationale, etc. Et puis, parce qu'il va falloir que je vous laisse parler. Alors, Sliman est à la fois
est à la fois un littéraire, parce qu'il y a la belle poésie, il y a vraiment la belle littérature, etc. Mais à la fois aussi, c'est un philosophe. Je commençais à parler de ça. Et puis, c'est un anthropologue, un sociologue. Par exemple, les compositions comme « Khadir Khadir Dbzaou Dmach » parce qu'à l'époque, le Qabayl Tmishtion dit le Qahoui, donc les rixes, se savent, pour des raisons évidemment, ce n'est pas pour des raisons de moralité, c'est parce que justement il y a une pression, il y a évidemment un déclassement, il y a une souffrance, etc. Donc, de tous les combats qui ont été menés par les Kabyles, énormément de combats contre les Turcs, contre la première colonisation, on ne dira jamais assez que le 19e siècle, les Kabyles qui ont affronté le 19e siècle contre la France, il y avait beaucoup plus de dégâts que pendant la guerre de libération nationale. Je mesure évidemment totalement mes paroles, ce que je dis, mais les exécutions sommaires. Il ne faut pas oublier, quand Melika Domran chante Mugrar Boubarat et Boubta Cholet, vous savez évidemment ce que c'est. C'est le maréchal Beauprêtre qui, à l'époque, dirigeait en tant que colonel, à l'époque, il n'était pas encore maréchal. Il dirigeait la région de Drahel Mizen et il payait ses soldats et les auxiliaires de l'armée française. Il payait en fonction des têtes qui étaient ramenées et des oreilles, des paires d'oreilles. Dawilashkar, les paires d'oreilles, vous aviez tant de francs. Donc, les étaient exécutés sommairement et mutilés. Bechekenim, Tswachelson, tout ça. Donc, tout ça, le 19e siècle a été d'une grande souffrance. Les chambres à gaz ont été inventées par l'armée de Bugeaud avant que ce soit celle de Hitler. Donc, les enfumades, c'est ça, les chambres à gaz, tout simplement les enfumades. Dans les Kabyles qui se cachaient dans les grottes, ou qu'on mettait aussi dans les grottes, qu'on emprisonnait, et puis on mettait le feu, Tchaltimus, Abouni les asphyxiait, ils mouraient asphyxiés dans des grottes par milliers. Donc, c'est totalement une tragédie. Mais c'est donc, Sliman Azim est aussi, quelqu'un qui, un géopoliticien et prémonitoire. Par exemple, la bombe atomique, il a parlé de la bombe atomique. Nous, le fin de la bombe atomique, nous, là, j'ai marqué même donc, en page 23, je vais vous dire ça. Mitferel, Guerin antique, Nenayes, Touredeyen, Lakin, Russe de l'Amérique, Kverdawa, Guerassen, كل واحد يقدر يدير ما فيك ماذا نكون تخويفا خدمن لا بومب اتوميك نقول هذا خصني غيرن دونك imaginez aujourd'hui on parle justement de la bombe atomique dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine, l'agression de la Russie sur l'Ukraine. On parle aujourd'hui de la possibilité justement de l'anéantissement, et de Slimane évidemment ils ont parlé dans les années 50-60. Et parler de l'émergence de la Chine comme puissance évidemment mondiale, Zikdarus American Torayernat chinois, c'est important de le souligner, c'était avant Alain Perfitte. Alain Perfitte qui est considéré en France, et pas seulement en France, en Occident, il a été traduit en américain, Smith. Parce qu'il avait parlé, il avait écrit le livre, le fameux livre « Quand la Chine s'éveillera ». Slimane Azim avait parlé de l'émergence de la Chine avant Alain Perfitte. Et c'est vous dire que c'est extrêmement important. Donc, il a été vraiment prémonitoire, et on trouve justement cette histoire anxiogène qui a déteint sur la société kabyle. Quand on observe aujourd'hui, quand on observe par exemple que les espaces de liberté qui nous sont offerts, à savoir que nous habitons pour un grand nombre d'entre nous en Europe, en Amérique,
quand on voit l'espace de liberté aussi que nous offre le web, et qu'on l'utilise beaucoup plus comme un ring, plutôt que comme un espace justement, non seulement de fraternisation, mais aussi de construction d'objectifs qui puissent nous sortir justement de la mouise où notre pays se trouve, où notre peuple se trouve, etc. On voit tout simplement que c'est le résultat. Où le chien, où le chien n'est à dire هذه ضروري إذا سوى نظراني إذن ونظر الجرح يعني يغن القبائل تصد تصمي مازغا سمثا ماشي لينا ريشي كيفني ذن دونك ما إلا نسمشو بغيرنا évidemment il faut qu'on prenne conscience ما كنسنا ميلتون إريكسون qui est un des plus grands psychanalystes psychiatres américains dans le monde qui est l'inventeur de l'hypnose, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson, et Karas, il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens souffrants. C'est extrêmement important pour nous. Il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens souffrants. Donc la souffrance transgénérationnelle, et qui évidemment s'amplifie au fur et à mesure que nous sommes marginalisés, prend des allures de tragédie au fur et à mesure que nous sommes écrasés, au fur et à mesure que nous sommes rapetissés, au fur et à mesure que nous n'avons pas de place, au fur et à mesure que nous sommes obligés de nous vendre, nous sommes obligés d'abdiquer pour exister, pour avoir une place dans nos institutions, etc. Donc quand on arrive à ce point-là, il ne faut surtout pas s'étonner que l'on s'étripe entre nous. Parce que quand la souffrance est là, quand les blessures sont là, et quand les combats que nous avons menés les uns après les autres, et où nous avons tout donné, nous couvrons les ailes de Mernana, évidemment, quand tout ça nous arrive, il est évident que, sans nous rendre compte, on aboutit à utiliser notre énergie après contre nous-mêmes. Mais bien évidemment, ça a été une souffrance. Évidemment, nous connaissons le reste de l'Isère, au risque de l'Isère. Ben oui, parce que justement, nous traînons ces tonnes de souffrance, ces siècles de souffrance, ces générations de souffrance, ces décennies de souffrance. Il est évident qu'il en ressort aussi des réactions parfois incontrôlé, parfois disproportionné, parfois même sans intention de les donner. On donne des coups sans intention de les donner. Donc malheureusement, la parole n'est pas donnée aux psychologues, la parole n'est pas donnée aux psychiatres, la parole n'est pas donnée aux thérapeutes. Elle est donnée aux politiques, elle est donnée aux radicaux, elle est donnée... Et il y aura, encore une fois, soit notre terrain de prédilection, c'est une salle d'attente, soit c'est un terrain de confrontation. Évidemment, voilà, donc je reviens à Slimane. Je veux peut-être insister sur une chose. Beaucoup lui ont reproché Inassil Flani. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Encore une fois,
كنا عندك حكوا شحال نتيديو نشكر مي جانسيست سور سو بوين لا peut-être justement que mon ouvrage a ce point d'ailleurs Ashur ou Amara, je ne sais pas si vous avez lu la recension qu'il a faite de mon livre, c'est d'avoir justement, au départ évidemment c'est inconscient pour moi, je ne l'ai pas fait par calcul, mais il y a aussi parfois l'inconscient, il fait des choses, c'est bon pour le micro ? Ok. Je bouge beaucoup, je suis comme... Méditerranée. Je suis un vrai méditerranéen. Peut-être qu'avant de parler de cette chanson extraordinaire, je dois dire aussi, parce que vous êtes en Amérique... Hein? Ah oui. Desliman aussi a été écologiste avant l'heure, fin des années 40, début des années 50. Il parle de l'écologie. J'ai noté, et j'ai mis même. C'est une chanson qui a été reprise par beaucoup. Par les filles du Durdura, par Cher Sidi Bemol, par, je crois, par Matou Blounès, par, je sais pas, par, ça a été repris énormément. Dounis Thorouf Kfa, Thmanjar Thfa, Thgored Ghar Lakhar Nzmen. Le Koum Yvdel Sifa, Ishtar Dil Harfa, Wahman Nouk Widhi Gharan. Pour les personnes du web qui ne comprendraient pas le kabyle, la planète est maintenant ruinée, rabotée jusqu'à corrosion, arrive en fin de cycle. L'homme s'est métamorphosé, a abusé de ses activités, les gens de science en sont tourmentés. Après, Ikmel, j'en arrêterai là sur ce point-là, الوقت راه يتهول يتدو اكن يسهوى ولاد الحالي في الدل تخسر ولاد الهوى كل شيء ثورا يمخبل يخلط يطج الهوى ورمزمير رانا عقل ماذا نبدو نغتشتوى on en est en plein dans la perturbation climatique dans le changement climatique et dans l'usure de la planète. Il a averti début des années 50. Et comme disait Ashur Amara dans la recension, qui a repris un paragraphe justement de ce que j'ai écrit ici, les hommes du GIEC, les experts du GIEC, devraient être inspirés par une œuvre comme ça, parce que précisément, il a parlé de l'activité humaine qui contribuait à l'usure de la planète. Voilà. Sans compter qu'il a prévu, avant l'heure, la conquête de la Lune. Ainsi de suite, etc. Alors, pour revenir maintenant aux accusations qui ont été proférées par les détracteurs de Slimane Azem, à savoir que la chanson d'Inès Ilflani, ça serait Ilflani, ça a été traduit comme FLN, et donc qu'il appellerait le FLN à se rendre, alors qu'il a chanté juste avant Fraïjara Temurthiou, et puis Dahar Douagour, qui normalement, c'est sans ambiguïté,
Complètement. C'est pour ça que je suis heureux, finalement, même s'il y a un déséquilibre dans cet ouvrage, d'avoir décortiqué cette chanson de Fray Gerard Tremurtiu, vers par vers, métaphore par métaphore, rythme par rythme, et aussi intonation de voix par intonation de voix. J'ai essayé de m'intéresser même aux articulations rythmiques de cette chanson-là, parce que j'ai écouté plusieurs fois le refrain qui se pose comme une espèce d'appel, comme l'appel du muezzin pratiquement. Et puis c'est un appel pathétique. Et puis, même musicalement, quand arrive le corps de la chanson, ça devient au contraire une musique militaire. Fray Gerard Tremurtiu, paf, on passe d'un rythme totalement, lent, une espèce d'appel liturgique, au contraire, à une batterie complètement militaire. Donc il y a une espèce de, justement, non pas de rupture, mais de conjonction entre un monde qu'il a décrit auparavant, qui est celui d'avant la colonisation, il décrivait la Kabylie, l'Algérie d'avant la colonisation, et puis Khalid ou Gerard Slahmak, ainsi de suite. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Mais plus important, c'est donc cette chanson de Younes El Filani. Ça a été interprété injustement comme étant un appel Zama de Slimane Azim au FLN de se rendre. Et je vais vous montrer que ça n'a absolument rien à voir. Voilà ce qu'il dit en substance. L'Iqar d'In Slim Oulis Rakar Sani Itzkimmi Lidil Adem Oulasivan Sani ما يستغفر يندم ذوي نسن فغان كوني سي ولا سي نصر واح ما يلا ذا الممن اذ كفو نوك الجراح اذ حلون ولون اذ الدوك اين مسمح انو غال ذا سمثم. Encore une fois, je traduis pour les gens du web qui ne comprendraient pas le kabyle. Il se dit musulman, mais son cœur est insensible. Il persiste dans le méfait sans en entrevoir le bout. S'il venait à s'amender, c'est ce que nous en attendons. Appelle-le et dis-lui, s'il est homme de piété, il sera mis fin aux blessures. Les cœurs seront apaisés, nous prendrons le pardon et redeviendrons frères. Et donc, quand il a chanté cette chanson-là, et c'est ça qui est extrêmement important, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vous lis directement la référence dans l'annexe 1, qui aurait pu être l'introduction, page 216, voilà. 1959, le 17 septembre. Et il faut savoir que cette chanson, Younes El Filani, est sortie novembre-décembre 1959. C'est très important les dates. Donc, sortie de la chanson, Younes El Filani. Donc, 1959, 17 septembre. Autour de 11h30, heure de sa promenade habituelle, Messali Hadj sort de sa villa, le manoir, sise dans l'Oise près de Champigny. Il est accompagné de ses 6 gardes du corps. Un commando du FLN de 6 à 7 membres fait irruption, fait feu sur Messali Hadj et rate sa cible. 2 membres du commando, Mohamed Atama et Ali Aït Kassi, y laissèrent leur vie. Le premier tué par les gardes du corps de Messali Hadj et le second
quelques heures après par des gendarmes français appelés à la rescousse. Mais Sadi Hadj est indemne, mais ses gardes du corps perdent un des leurs, en la personne de Ali Djouadi. L'épisode sanglant relance la guerre déjà cruelle entre le FLN et le MNA. Il faut savoir que Sliman Azem est rentré au PPA en 1937. Dès qu'il est arrivé en France, dans l'est de la France, du côté dont Longwy, Sliman Azem a adhéré au parti dirigé par Messali Hadj. Et il faut savoir aussi que notre région, Vina Gwadayen, c'est une région de messalistes, jusqu'aux années 57-58 ans encore. Et je peux même vous dire que Bentobel, et je le dis ici, Bentobel, je donne la référence bien évidemment, a accusé dès 1956 Kerim Belkacem d'être encore messaliste. C'est vous dire à quel point le messalisme était extrêmement important, et notamment en Kabylie. J'ouvre une parenthèse, je me demande même si nous, militants, intellectuels, kabyles, qui insultons du matin au soir M. Sali Hadj, et qui a été récupéré indûment par les Tlemceniens, évidemment, réhabilité par Bouteflika. Par qui? Réhabilité grâce à Benjamin Stora, qui a fait pression sur François Hollande, et François Hollande a fait pression sur Bouteflika. Et c'est la raison pour laquelle que un des voyages du président François Hollande, c'était à Tlemcen, et c'était à ce moment-là qu'il y avait eu réhabilitation de M. Sali Hadj. Donc, Kulchi Ishoud, et nous connaissons, c'est nous qui avons fait M. Sali Hadj. Ce sont les Kabyles qui, depuis 1927, et non pas 1926, c'est-à-dire la création de l'étoile nord-africaine par des Kabyles en 1926. Un an après, ils ont appelé M. Sali Hadj à rejoindre leur rang. Et dans quel but c'était à l'époque? C'est extrêmement important. Et ça fait partie des ancrages psychologiques, historiques, etc. de Sliman Azem. Et donc, du nôtre aussi, de nos ancrages. Ils ont fait appel à M. Sali Hadj pour qu'ils puissent convaincre les pays arabes et les pays musulmans d'une façon générale à aider à la libération, non pas seulement de l'Algérie, mais de l'Afrique du Nord, l'étoile nord-africaine. Et c'était à la dissolution de l'étoile nord-africaine par l'administration française que Messali a créé le PPA, et donc que l'étoile nord-africaine a été laissée de côté, puisque dissoute officiellement. Donc non seulement le Qbayli Sissaoulen, ils en ont fait un de leurs leaders, ceci dit à juste titre, parce qu'il est devenu un grand militant, c'était un communiste, il est marié à une Française, et à l'époque, il acceptait l'idée déjà de l'étoile nord-africaine, que, en ce qui concernait justement cette partie du monde, d'un point de vue géopolitique et surtout géoculturel, c'était justement une appartenance à l'Afrique, une appartenance au bassin méditerranéen, etc. Et on a commencé à parler aussi, après la dissolution de l'ENA, et que le mouvement nationaliste devenait algéro-algérien, on a commencé déjà à parler de ce qui a abouti en 1948 à l'Algérie algérienne. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu un basculement? Le basculement a eu lieu en 1931. Il faut que nous, Kabyles, et nous, Algériens, d'une façon générale,
on prenne acte de cette date-là. 1931, il s'est passé quoi ? 1931, il y a eu le fameux congrès panarabiste de Jérusalem, qui a été organisé par Shakib Arslan et un certain nombre, évidemment, d'idéologues du Baath, et Messali Hadj et les ulamas algériens ont été invités à ce congrès, d'abord panarabiste, ensuite, au fur et à mesure des travaux, il est devenu aussi panislamiste. Parce que dans la tête de Shakib Arslan, qui était chrétien, qui a fait ses études à la Sorbonne, c'était évidemment face à une vague, j'allais dire islamiste, mais pas au sens d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse de l'anachronisme. Donc l'islamisme à l'époque, dans les années 30, entre les deux guerres principalement, mais pas seulement, à partir des années 1880, voire même 1870, à partir de la guerre germano-française, la perte de l'Alsace-Lorraine, etc., les Allemands avaient compris que la force de la Grande-Bretagne et de la France, c'était les colonies. C'était donc les empires où ils avaient de la main-d'œuvre, où ils avaient des soldats, tout ça, bon marché, où ils avaient des matières premières, ainsi de suite. Et donc les Allemands avaient compris ça et eux, ils n'avaient pas cet empire. Et donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, les Allemands? Ils ont commencé à collaborer avec l'Empire ottoman, à former des officiers turcs, d'où est sorti d'ailleurs Kemal Atatürk, qui est vraiment, je veux dire, un des généraux qui ont fait changer la face de géopolitique à la Turquie. Et donc, les Allemands, avec les Ottomans, distillaient des discours comme quoi le monde musulman était sous le joug franco-britannique et qu'il fallait se libérer, justement, de cette emprise franco-britannique. Et du coup, l'islam devenait non seulement un ciment culturel, mais surtout un ciment idéologique et géopolitique. Et donc, à partir de ce moment-là, il était investi comme étant une idéologie libératrice. Et donc, lorsque les Français et les Anglais ont vu ça, il y avait déjà un début de manifestation au Pakistan, en Afghanistan, en Indonésie, en Iran, etc. Il y avait donc des manifestations énormes contre l'Empire britannique et contre l'Empire français. Et à ce moment-là, ils ont pris conscience. Et ils ont donc essayé de dire aux chrétiens libanais, irakiens et syriens, vous voyez cette vague islamiste qui est en train de monter, elle va vous emporter en tant que chrétien d'Orient. Vous voyez les lapsus, tout ça, c'est... Donc les chrétiens d'Orient, ils ont pris peur. Ils ont pris peur et, évidemment, ils ont développé cette idée de panarabisme. Donc les chrétiens se sont investis beaucoup plus que les Arabes. À l'époque, les Émirats ou les Saoudiens, ils s'en foutaient complètement de ça. Les vrais Arabes n'étaient pas du tout concernés. C'était plus les Syriens, les Irakiens et les Libanais. Et petit à petit, les Égyptiens. Et donc, ils voulaient créer une digue en créant le panarabisme. Ils pensaient mettre un frein au panislamisme. Donc c'est comme ça que petit à petit, il y avait, à partir du congrès de 1931 de Jérusalem, une jonction entre le panarabisme et le panislamisme qui est devenu, dans le discours nasseriste, l'arabo-islamisme, et que nous avons subi et que nous subissons encore et qui a pris les ampleurs que vous connaissez.
Donc c'est extrêmement important de savoir que toute cette lutte idéologique, géopolitique et tout ça a fait justement de nous des victimes et a fait de nous justement parfois même des acteurs à notre corps défendant, des acteurs justement de ce mouvement. Il mérite d'une nulle nous connaissons arabe. Et on a fait dans le lit. On a été l'échelle pour Messali Hadj, pour l'ascension de Messali Hadj. Et donc je reviens à mon idée. On aurait dû réclamer Messali Hadj. On aurait dû le réclamer en tant que Kabyle. D'un point de vue tactique et stratégique, oui, c'est nous qui avons fait Messali Hadj. Ce qu'il était devenu. Malheureusement, au lieu justement d'utiliser ce capital, non seulement on a rejeté complètement son œuvre, son travail, son militantisme, mais on l'a donné en cadeau sur le plateau à d'autres qui n'ont. On va la réclamer pour qu'il soit un héros pour la Kabylie. Pourquoi pas? On aurait dû lui faire une statue en Kabylie. Oui. Après, on va attaquer le débat parce que c'est les rares liens. Je vais vous donner la parole, évidemment. On va. Mais bien sûr que moi, évidemment, même avec. C'est le texte de Slimane Azim qui m'a fait prendre conscience. Même l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader Namarabou. En même titre que Boulifa, en même titre que Aït Ahmed, que Cheikh Mohamed Al-Hussein, que Cheikh Khaddam, je ne sais pas qui encore. Donc on aurait pu le récupérer des mazirs. Mais bien sûr, des mazirs. Mais évidemment. Et donc nous connaissons justement, on a fait en sorte qu'on le donne non seulement symboliquement à nos adversaires, mais on leur a donné comme arme contre nous. Comme arme contre nous. Donc il y a énormément comme ça de choses que nous avons laissé glisser entre nos mains parce que nous sommes assez radicalistes, puristes et tout ça. Ça, c'est un débat à mener. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui, justement, devrait être pris en compte dans notre stratégie de lutte, bien évidemment, qui nous permette de ne pas faire de concessions par rapport à l'essentiel, mais d'avoir une marge de tolérance qui puisse nous faire accepter ce qui nous appartient, même à la marge, mais ça nous appartient. Ça nous appartient. Par exemple, Boubrla, dans ce cas-là, on rejetterait Boubrla, qui était le lieutenant de la Farde Mansouma. Voilà. Vous allez me dire qu'évidemment, à l'époque, la Kabylie, parce que très souvent, on se pose la question, même Gay disait, c'est de la folie. C'est de la folie. La Kabylie. La Kabylie, elle allait de Chlif jusqu'à Kolo. Le Dara, le Zakar, l'Atlas Blidéen, les Bibans, les Babors, le Durdura, la Corniche Kabyle, tout, c'était la Kabylie. Regardez les premières cartes de géographie faites par les spécialistes français, par les stratèges français, qu'ils soient civils ou militaires. La Kabylie, elle allait de Chlif jusqu'à Kolo. C'est le capitaine Karet qui, dans son rapport, la Kabylie proprement dite, a limité la Kabylie à Vgaït Tizi Ouzou. C'est lui qui a transcendé. Et qui allait déjà de son époque de Boumerdès jusqu'à Adjidjel. Et après, évidemment, transcendé encore davantage par Boukharouba, alias Boumdien, et qui a continué d'être transcendé. Mais la Kabylie, c'était, encore une fois, j'insiste là-dessus, Boualam Sansal, lui, il se prend pour un Kabyle. Un mazir, il sait très bien qu'il est de la Kabylie de l'époque du 19e siècle. La Kabylie du 19e siècle, c'est ça.
C'est le Dara, c'est le Zakar, c'est l'Atlas Blidéen, ainsi de suite, jusqu'à la Corniche Kabyle, jusqu'à Kolo. C'est très important, très important. Borj Bouhareridj, c'est le cœur, le centre de la Kabylie à l'époque, le centre du côté, partie sud, mais l'est-ouest. C'est extrêmement important qu'on prenne conscience de toutes ces dimensions-là. Et donc, évidemment, donc Slimane Azem, évidemment, à la sortie de Inès Ilflani, juste après l'attentat, cette chanson, évidemment, est passée inaperçue. Elle devient l'objet de controverses à partir de 1967, pas avant. À partir de 1967, date d'interdiction des productions de Slimane Azem sur les ondes algériennes. Pourquoi 1967? Et ça, c'est Ben Mohamed et Kamel Hamadi qui me l'ont raconté et qui ont fini par le raconter même publiquement à la télévision et dans les conférences. C'est qu'en 1967, lorsqu'il y avait la fameuse guerre israélo-palestinienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un certain nombre d'artistes, notamment des chanteurs, d'acteurs de cinéma, etc., français, mais occidentaux d'une façon générale, qui avaient pris position pour Israël. Et Alger avait établi une liste donc, de tous ces artistes pour les interdire à la fois sur la radio, la télévision, etc., algérienne. Et quelqu'un, alors c'est qui ce quelqu'un à ce jour, on ne sait pas. Quelqu'un est venu rajouter à la liste, au stylo, à la main, à la liste qui était dactylographiée, il a rajouté le nom de Slimane Azem. J'insiste là-dessus, parce que Ben Mohamed insiste, Kamel Hamadi insiste. Quelqu'un est venu rajouter à la main le nom de Slimane Azem à la liste des Occidentaux qui étaient interdits. Donc, c'est vous dire que les choses ne sont pas aussi simples. Et donc, c'est à partir de cette date-là qu'on a interprété Inès Ilflani comme étant un appel au FLN, Flani, c'est le FLN. Alors que le Flani en Kabyle, tout le monde sait, mais je ne vais pas vous apprendre ça quand même. El Flani, quand on ne connaît pas quelqu'un, on l'appelle El Flani. Non, ça a aussi un autre sens. Si on a El Ghazni, on l'a El Flani. C'est-à-dire, c'est un personnage. Ainsi de suite. Non, mais il a... Ah, il y a le flâneur qui... Quand vous interpellez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ah, il y a le flâneur. Donc, c'est un nom polysémique, ça veut tout dire sauf Eiffel. Ça veut tout dire sauf Eiffel. Et en plus, il s'adresse... Donc, je vous ai lu la partie où il s'adresse à lui, en tant que personne, et donc, où il dit « L'Iqar d'Inslam » parce que Miss Ali Hajj, évidemment, avait déjà épousé le langage de l'islamisme, ou en tout cas de l'islamité, etc. Et donc, il se présentait comme étant le musulman, l'incarnation du mouvement islamique, etc. Et donc, Slimane Azem, qui était messaliste depuis 1937, évidemment, s'est trouvé moralement obligé de lui faire appel. Et donc, qu'il arrête justement, parce que, souvenez-vous, en 1956, vous ne l'avez pas vécu comme moi, on était gamin, on était peut-être, la majorité, c'est pas peut-être, la majorité d'entre vous n'était pas nés, mais historiquement, tout le monde le sait, Ben Ramadan avait appelé tous les partis politiques à se rendre pour faire front commun, pour créer justement le Front de Libération Nationale. Tout le monde avait rejoint les rangs, y compris les ulama, y compris les libéraux, sauf le MNA de Miss Ali Hajj. Et donc, il y avait cette guerre fratricide qui a fait des centaines, voire des milliers de morts. Officiellement, ça aurait fait 450 morts, tout ça, dans la région parisienne. Mais Ali Gnoun, que vous avez invité, et il m'a dit qu'il y avait des milliers de morts. Avec des milliers de morts. Et donc, Mohamed Harbi disait la même chose, qui est d'ailleurs une des sources de Ali Gnoun, c'est René Galissot
Mohamed Harbi. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc, je ne vais pas évidemment abuser de votre gentillesse. On va passer au débat parce que je peux en parler encore une fois des jours et des jours sur cette heure-là. Je vous remercie. On va ouvrir un débat sain, et on va se poser des questions de façon à avancer. Maoula Charelif, donc je vais commencer. Alors, on a vu une main levée. Donc... Je comprends pas. Bon, c'est sur Slimane Azem, etc. Moi, ma question se passe sur cela que je peux dire. C'est par rapport, c'est quoi l'apport de mettre comme héros, comment il s'appelle, les jeunes Salim Hajj, si on a des cabines comme héros, comme référence, Salim Hajj? L'autre, comment il s'appelle, Amir Abdel Qadar, on va rajouter, comment il s'appelle, la Oulala, Boubala, et l'autre, le Bédis, on la rajoute, on va rajouter les autres. Qu'est-ce qui va nous rester? C'est pas, du moins, pour moi, c'est pas mes repères. Excusez-moi, ça ne peut pas être les repères des Kabyles. Ça ne se peut pas parce que si on change de repère de personne, c'est quoi notre problème de revendiquer, etc. On ne peut pas faire dire à nos conférenciers ce qu'ils n'ont pas dit. Voilà. Donc là, ce qui va être enregistré, c'est que M. Hirsch aurait dit qu'on va l'ajouter comme héros. Ce mot vient de vous, ne vient pas de lui. Et on va le laisser répondre, on va le laisser répondre, mais on ne peut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Il n'a, non, mais ce n'est pas contre vous. Il n'a pas dit c'est un héros. Revendiqué, on va lui demander de l'expliquer, donc on lui pose des questions sur ce qu'il a dit. Il n'a pas non plus parlé de Ben Badis, ni d'autres. Voilà, non, mais c'est parfait. Alors, on laisse donc M. Hirsch répondre à votre question et merci beaucoup. Autre question? On va prendre. Alors, on va rajouter. Il n'y a pas de problème. Questions. Donc, votre question. Ma question a des rochines aussi, car aurait logique. Féminine, excusez-moi, nous connaissons, d'après beaucoup de femmes, il serait en sort des repères. C'est-à-dire qu'il serait en perdre des armes, c'est un peu comme ça. La question va être de dire que tu as la moralité. Tu as la moralité. Tu as la moralité. Tu as la moralité. Tu D'abord, je tiens à vous remercier vraiment pour ces questions. Il n'y a pas de questions tabou, hein, on est à Kanté, tiens. Et je suis entièrement d'accord avec Karima. Pour dire que, bon, parfois, on dit une chose et puis c'est interprété de façon assez extensive. Ce que je dis par rapport à Salim Hajj, l'émir Abdel Qadar et à Boubala, je dis que c'est nous qui avons fait de ces personnages des héros. Je ne dis pas que c'est des héros pour nous, non, des repères pour nous. Je dis que Salim Hajj, c'est un héros national. Et il est devenu le personnage qu'il fut grâce aux Kabyles. D'abord, il y avait Amar Imash et ses compagnons qui avaient fait appel à lui en 1927, non pas en 26. La création donc, de l'étoile nord-africaine, c'était en 26, donc c'est à peu près un an après. Et en plus, dans le mouvement nationaliste, PPA, ensuite PPA-MTLD, où l'écrasante majorité des militants, notamment dans le comité central, le Gveil. C'est à partir, évidemment, de 1949, de la crise anti-berbère,
que quelques-uns appellent crise berbériste, que moi personnellement j'appelle crise anti-berbère depuis 1980, depuis que j'en ai pris conscience. Donc à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des frictions. Sinon, il y avait une symbiose entre les militants kabyles et Messali Hadj. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que l'effilochement de ces liens est venu après ce fameux congrès de 1931 à Jérusalem, congrès panarabiste. Et donc, ce que je dis, c'est une piste de réflexion. Je ne dis pas comme une sentence. Je n'ai pas dit « il faut ». Je dis « nous devons réfléchir à savoir comment utiliser aussi, nous, en tant que militants kabyles, en tant que militants intellectuels kabyles, comment utiliser ce capital national de Messali Hadj, mais aussi de l'émir Abdel Qader, qui est un amazigh, j'insiste là-dessus, pour justement faire avancer nos idées. Je n'ai pas dit abandonnons Mamri, abandonnons Jugurta, Nurhadja, il faut en faire les repères. Non, oui, je réponds à l'autre qui nous dit sur les repères. Non, c'est de la folie de penser des choses pareilles. C'est de la folie. C'est-à-dire, c'est noir ou blanc. Canaricain. Non, nous avons nos repères, mais quand vous ajoutez un alphabet de 26 lettres, vous ajoutez 2-3 lettres, ce n'est pas un changement d'alphabet. Si vous allez de A à Z, c'est votre capital, et puis de A à Z, vous avez une 3 lettres grecques, ben, il reste quand même l'alphabet latin. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est tout ce que je dis. Même d'ailleurs, quand par exemple, parmi vous, il y a peut-être des psychologues ou des psychiatres, je le dis tout de suite, quand on essaie de faire de la thérapie ou du coaching avec une personne, un groupe, on n'essaie pas d'effacer ce qu'ils ont, les repères qu'ils ont, y compris des ancrages de souffrance. On n'essaie pas de leur enlever. On leur essaie d'ajouter quelque chose. C'est-à-dire, vous avez A, et on vous rajoute un petit quelque chose pour que ça devienne A prime. Non, pour que ça devienne AB, sans enlever, évidemment, le socle. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu aux deux premières questions. Slimane Azem, eh bien, le lycée de Minglet, ce n'est pas un universitaire. Hein. Quel est l'universitaire algérien, même nord-africain, qui a travaillé la société de façon aussi intense, aussi dense que le lycée de Minglet? Trouvez-moi un universitaire, sociologue, anthropologue, journaliste, écrivain, ce que vous voulez. C'est l'objet d'un autre débat. Mais nous, on est avec les Warwell. À travailler sur l'œuvre de Louis Saïd Mignat, travailler sur qui vous voulez. C'est pas un universitaire. Mais Slimane Azem, c'est pareil. En revanche, oui, il lisait les journaux. Et il s'informait. Il était curieux. Il écoutait. Autour de lui. C'est pour ça que je parle des ancrages de Slimane Azem. Et je disais que l'annexe 1 aurait pu être une introduction. Parce que l'annexe 1, j'ai jugé utile de prendre les événements importants qui ont marqué la culture collective de chez nous, l'inconscient collectif du peuple kabyle, et donc ce qui a été à la source, évidemment, de l'imaginaire azémien et donc de l'œuvre azémienne. Voilà. J'espère avoir répondu. Nous avons trois autres intervenants. Donc, d'abord, Mess. Madame la conférence est guérie. J'aurais deux petites questions, si vous permettez. Ma deuxième question, je vais commencer par justement le salaire de. Est-ce que eux, pendant leur vécu, est-ce qu'ils ont, c'était quoi leur perception de la culture kabyle, est-ce qu'ils se sont justement, comme le cas d'Abdel Qader, est-ce qu'ils se sont amazés, là, ils se sont plutôt,
Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose là? Il a calculé comment des réponses des parcours lycéens, comment ils ont vécu justement en lien avec la culture kabyle. Et puis ma deuxième question, est-ce que ça serait possible à travers un aperçu chronologique les œuvres d'Aslima Kassi à fort bien avec les événements clés qui ont secoué Algérie et le monde entier? Il y a un temps, il y a des souffrances qui étaient beaucoup la capitale depuis 1871 et tout ça. Nous souffrions ailleurs. En politique, en arabe, si nous sommes Saraf, et que un petit exemple, Sadat Saraf, et qui est le Pérou. Ça fait ma zéro de l'effort à Bachel et faire la partie de la nation, mais de l'unité qui crée de l'effort. Le problème, est-ce qu'on doit se recroqueviller sur nous-mêmes avec les menaces, les malmarques, je t'appelle, pas de maltaise, c'est qu'on parle. Mais le combat, c'est le rôle. Ou bien, c'est le rôle, on est victime, ou bien, il y a un peu de temps, il y a guerre. Personnellement, les jeunes, les amis, on se dit, il y a un peu de temps, 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 tu es reconnu en tant que tel, et qui est là, parce que c'est un reconnu de qui. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je ne connaissais pas Slimane Azam. Je le connaissais comme étant un grand chanteur, un chanteur très connu, mais je ne savais pas que. C'est quand même quelqu'un qui a, analysé et travaillé le côté politique, le côté. Je l'ignorais sincèrement. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Mais moi, je voulais poser une question justement sur le devenir des revendications du fait Berner, mais du fait. Kabyle qui est devenu à un moment donné berbère et amazir, est-ce que vous ne pensez pas justement que en matière d'évolution dans la psychologie du combat qui a commencé à, d'après moi et d'après beaucoup de spécialistes avec la prise de conscience à partir de 1926 du fait de l'identité. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement à partir de 1926 que cette psychologie collective a commencé à changer de stratégie et à associer un plus grand espace en parlant justement d'une revendication amazigh et berbère qui faisait en sorte, même si on inscrit dans un cadre musulman, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est aussi ça qui a fait le fait. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui a libéré, qui a fait avancer les revendications sur le terrain et qui a fait avancer les acquis? Parce que nous avons vu après ça. Et moi, j'inscris maintenant que je connais un peu mieux Slimane Azam, qui est né les années 18, donc qui avait à peu près l'âge d'un adulte, disons, qui réfléchit des années 40. Je l'inscris dans le cadre de ce changement qui est venu à cette époque et puis qui a été aussi, suivi par, notamment au point de vue politique, toute la crise qu'on appelle la crise berbère des années 40, des années 47, et aussi dans la guerre d'immigration. Et je l'inscris aussi dans le cadre de tous les acquis qui ont été obtenus après l'indépendance, notamment avec les événements qui ont commencé autour des années 80. Moi, je le vois comme ça, je vois plus une rupture avec cette,
cette psychologie qui existait au sein de quand on était colonisé, et qui a fait en sorte que ça a commencé à libérer, et là, la route disons, s'élargit. Pour moi, c'est une ouverture. Merci, c'est tout. Dans un premier temps, la question de... D'ailleurs, le mot Maghreb, moi, je ne l'ai pas prononcé. Je n'aime pas ce mot-là parce qu'il nous rattache à la fois géographiquement, mais aussi psychologiquement et culturellement au Moyen-Orient, qui est la source de nos malheurs. Donc, moi, je parle toujours d'Afrique du Nord et je parle même de l'Union nord-africaine. C'est vrai que c'est un vrai problème, parce que l'arabisation s'est accélérée d'une façon extraordinaire, avec d'une part l'arrivée des Français, et même auparavant, en fait, l'arabisation a vraiment pris ses racines avec l'arrivée des Andalous. Parce qu'il y a eu quand même des... Il y a eu deux enquêtes linguistiques qui ont été réalisées par l'administration coloniale au XIXe siècle. Il y en a eu une au début du XXe, mais celles du XIXe sont absolument significatives. C'est-à-dire que quand la première enquête a été faite dans les années 1850, Le Kabyle, sans parler du Touareg, de nos habits, etc., le Kabyle représentait 50% de la phonie. Vous voyez, hein, les lapsus, ça se cumule, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas par hasard. Parce qu'effectivement, en tant qu'Algérien, on est renié, on n'est pas aimé, etc. Donc, la langue kabyle, sans parler de la langue amazigh, était majoritaire quand les Français sont arrivés en 1830. Quand on prend l'ensemble, parce qu'à l'époque, même la région de l'Oranie parlait encore pour une bonne partie tamazight. À titre d'exemple, jusqu'à aujourd'hui, en 2023, les noms de poissons dans la région de Razaouet, c'est des noms de poissons en berbère. C'est pas des noms de poissons. C'est les seuls qui ont gardé le nom de poissons en berbère, aussi bien en Algérie qu'au Maroc et un petit peu la Tunisie. Mais on le retrouve que dans les travaux d'un linguiste italien dont j'ai oublié le nom et qui a été publié paradoxalement par la SNED en 1976. C'était le colloque arabo-berbère qui a eu lieu à Malte en 1976. On voyait justement que les noms de poissons en Afrique du Nord, en fait, c'est des noms de poissons amazigh. Donc, j'ai fait juste une parenthèse. Donc, cette question de arabe, il faut qu'on fasse l'effort, etc., je ne suis pas sûr que la question se pose ainsi. Bien sûr, il y a un rapport de force, il y a une guerre des langues. Regardez au Québec, toute l'énergie qui est dépensée justement pour résister à l'anglais. Et même aux États-Unis, dans la partie sud, vous savez qu'aujourd'hui, des anglophones se posent des questions de comment résister à l'espagnol. C'est extrêmement important. On ne sait pas si d'ici 2100, et les Américains en parlent, hein, 2100, est-ce que les États-Unis ne seraient pas hispanophones? Pardon ? Spanophone. Oui, spanophone, et il parle, enfin, castillonophone. En fait, c'est le castillan, parce que l'Espagne, il y a aussi le catalan, le basque, etc. Donc, oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais je ne suis pas sûr qu'elle se pose en termes d'un kounis l'kveyel, puis araven, etc. Vous savez, c'est un phénomène historique, anthropologique. Donc il faut qu'on gère ça de façon intelligente, qu'on gère ça d'un point de vue déjà intellectuel
et que l'on puisse justement faire en sorte que ça déteigne sur la société. C'est-à-dire, c'est pas en question, voilà, moi je vais construire une muraille pour que la cabidophonie, qui est devenue cabidophobie, vous voyez, voilà, tout à l'heure c'était des lapsus, mais maintenant je le dis en toute conscience. C'est pas ça qui va nous épargner quoi que ce soit. C'est pas le fait de dire, oui, nous connaissons Sintara, on fait des efforts pour apprendre l'arabe. Peut-être que si la France et puis l'Algérie indépendante ne nous avaient pas imposé l'arabe officiellement, peut-être justement qu'on aurait ignoré l'arabe. Imaginez que les Français, au 19e siècle, au lieu d'imposer les bureaux arabes, imaginez si c'était des bureaux kabyles. Imaginez qu'à l'université d'Alger, c'était la langue kabyle qui avait pris Ismis, qui aurait été privilégiée par l'administration coloniale. Mais vous savez tous, comme moi, que le rêve des Français, notamment à partir de Napoléon III, le rêve des Français, c'était d'instaurer un royaume arabe qui aille de Casablanca jusqu'à Damas. Et puis, tenez-vous bien, qu'il soit administré, enfin, symboliquement, par l'émir Abdelkader. Pourquoi l'émir Abdelkader a été épargné par la monarchie française? Ce n'est pas pour les beaux yeux de l'émir Abdelkader, ce n'est pas parce qu'il a travaillé avec la colonisation française. Il a combattu pendant 17 ans le colonialisme français. Évidemment, quand il a perdu la guerre, il faut le dire comme ça, quand il a été remis au général Lamoricière et qui a été remis par le général Lamoricière au duc d'Aumale, parce que symboliquement c'est lui qui représentait la monarchie en Algérie, le duc d'Aumale, on l'a fait tout de suite un allié potentiel, parce que Romains, ils sont stratèges, hein. Ils ne pensent pas à l'immédiateté, parce que sinon il lui aurait coupé la tête tout de suite et puis on finit avec ça. Mais ils se sont dit, tiens, on va le prendre, on va signer des accords avec lui, on va le travailler, et il va servir de pièce maîtresse dans le cadre justement de ce projet global du royaume arabe qui aille encore une fois de Gaza jusqu'à Damas. Donc ils l'ont utilisé, et d'ailleurs quand il y a eu la Deuxième République, quand la monarchie a été abolie, donc l'émir Abdelkader était remis au cachot. Il ne faut pas croire que l'émir Abdelkader a été constamment choyé en France quand ils l'ont fait venir en France. Il n'était pas tout le temps dans le château. Hein. Et donc, après, quand le roi Philippe est revenu, donc que la République a été battue, le roi Philippe a redonné encore de l'espoir à l'émir Abdelkader. Ainsi de suite. Vous savez, le sort de l'émir Abdelkader, c'était le sort de la monarchie ou de la République. Et l'apothéose, c'était avec Napoléon III. Il est devenu l'ami de Napoléon III. Il sait où, quand il voyait des ambassadeurs européens de toutes sortes, il sait où est l'émir Abdelkader Idriss. C'est extrêmement important, justement, comme fait historique nous concernant. Parce qu'il était sûr qu'ils allaient faire le calife ou le monarque de ce royaume arabe. Et donc qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu que les médailles qui ont été accrochées sur la poitrine de l'émir Abdelkader par non seulement les Français, les différents régimes français, mais aussi par les Américains, par les Anglais, par les Hollandais, par les Allemands, etc. Parce qu'il avait pris... Il avait pris position pour la protection des chrétiens d'Orient lorsqu'il y a eu la guerre entre les chrétiens et les musulmans en Syrie et dans toute la région. Donc l'émir Abdelkader, évidemment, a fait tout pour protéger les chrétiens. Il y avait des milliers qui étaient venus dans son château en Syrie. Donc il a été décoré dans ce sens-là. Il a sauvé non seulement les chrétiens, mais aussi les juifs. Et donc, nous connaissons
on a interprété ça comme étant un truc pur et simple, pur et dur. Il s'est rallié aux Français, donc on ne veut pas de ça, on va aller harkiyen, machin, etc. Alors que bon, les autres, ils ont été plus tolérants que nous, se sont dit, ben, il a un capital symbolique. Eh ben, ils ont récupéré ce capital symbolique. Ils en ont fait un héros national. Et nous connaissons, on en a fait un anti-héros. Donc, qu'est-ce que je dis, moi? Je ne dis pas qu'il faut que les Kabyles en fassent un héros, je dis qu'il faut réfléchir à ça. Voilà, c'est tout. Je dis que ça fait partie des réflexions à mener dans nos combats, à la fois intellectuels, culturels, historiques, etc. Et c'est pareil pour... Bon, Boubre, là, il n'y a pas de polémique autour, parce qu'il était vraiment le lieutenant de la Fadl Mansoumer, et je crois qu'il a été accepté en tant que tel. Et puis, il n'a pas été récupéré, justement, par le pouvoir algérien. Donc, c'est pour ça qu'on connaît. Donc, pour revenir à la question, il n'y a pas de réponse, en fait, à cette question. La Kabylie, est-ce qu'il faut son indépendance, son autonomie? Là, est-ce qu'il faut une décentralisation? Là, est-ce qu'il faut un système? Parce que Slimanazm, il chante les deux. Slimanazm, il parle de l'Algérie, mon beau pays, mais il parle aussi de Tamouth al-Qbayl, Azizat. Il a les deux. Quand il lance Forkhifil-Lus, il dessine la géographie de la Kabylie, mais il parle aussi de Algérie, mon beau pays, Tamouth al-Azizat. Et je fais une parenthèse, parce qu'il ne faut jamais oublier les détails aussi. Moi, je suis content. Après, il y en a qui vont dire que c'est de la récupération. Ce que vous voulez dire, vous dire, oui, l'Hirondelle ne fait pas le printemps, etc. Ok, d'accord, tout ça, je connais, etc. Mais le fait que une chanson de Slimanazm soit au programme de l'éducation nationale algérienne, soit dans un livre des jeunes Algériens, de la 4e AM, le Mouti Ouaziz, ça a été... Donc, en français, c'est au programme de tous les jeunes Algériens de 4e AM. Pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire. Il faut aller dans ce sens-là. C'est dans ce sens qu'on doit dire, vous voyez, aux gens qui nous gouvernent, vous voyez Slimanazm, et dans les programmes de l'éducation nationale, est-ce qu'il y a eu une révolution? Est-ce que c'est antinational? Est-ce qu'on a détruit cette nation? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, déconstruire tout le discours idéologique qui fait que dès qu'on parle de mazérité ou de kabylité, ça y est, c'est la division, c'est le machin. Non! Quand on parle de kabylité en Algérie, c'est l'Algérie qui se renforce. C'est ça, de mon point de vue, qu'il faut qu'on dise, qu'on répète, etc. Et c'est vrai en plus. C'est vrai. Qui ne m'a dit de là, je ne sais pas, Constantinois, Lorané, le machin, ça me donne de la force en tant qu'Algérien. Voilà, donc c'est une... En fait, ce que je dis, ne me prenez pas au mot, prenez-le comme tout simplement des propositions de méthodes pédagogiques sur le terrain à la fois politique, culturel, médiatique et tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, on a des arguments qu'on n'utilise pas. Donc, quel est mon livre? Donc, j'ai écrit un livre, effectivement, intitulé, où j'ai ramassé un certain nombre d'articles que j'avais écrits pendant des décennies. Voilà. Donc, quel avenir pour l'Algérie, quelle place pour la Kabylie? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. C'est vrai qu'il y a une spécificité kabyle, comme il y a aussi une spécificité mozambique, ainsi de suite. Même Constantinois, Lorané, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Constantine a été une capitale depuis des siècles et des siècles. Alors que Lorané, ils sont beaucoup plus influencés par l'Espagne, le Portugal, le Maroc, etc. Donc, il y a des cultures complètement différentes. Une grammaire émotionnelle différente. Le Rai est né à Oran, il n'est pas né à Constantine, ainsi de suite. Et donc, oui, merci d'avoir posé la question.
Aujourd'hui, des ensembles géopolitiques se font, mais aussi des entités spécifiques se font également. Le Québec, l'Écosse, l'Écosse envisage un référendum pour l'indépendance. La Catalogne, on sait ce qui s'est passé. La Corse, qui aurait dit que dans un pays comme la France, une France jacobine, mais alors administrativement centralisée comme aucun État au monde, c'est le seul État, un tout petit peu le Portugal, mais c'est le seul État européen qui ne soit pas fédéral ou régional. Il y a deux modèles, en fait. Et c'est ça qui s'est développé dans le monde entier. Il y a le modèle français, la nation, une et indivisible. On coupe tous les coquelicots qui sont dans le champ de blé. Et il y a le modèle allemand, italien, espagnol. Allemand, le fédéralisme. Espagnol et italien, un modèle de région. De région où, effectivement, il y a une autonomie régionale, sans que ce soit des pays fédéraux. Il y a des régions avec leur langue, leur spécificité, leur parlement, leurs prérogatives. Et en Espagne, par exemple, la région qui a le plus de prérogatives politiques, géopolitiques, économiques, culturelles, linguistiques, ce n'est pas la Catalogne, c'est le Pays Basque. C'est le Pays Basque. Donc, il y a des modèles. Nous connaissons, on a suivi le modèle français des années, voilà, du XXe siècle. Ce n'est même pas la France d'aujourd'hui. Parce que la France d'aujourd'hui, encore une fois, qui aurait dit que la Corse allait avoir son Parlement? C'était un tabou. C'était la guerre contre les Corses. Nous connaissons un Parlement corse. Waouh! Il faut dire ça à la droite française et même à la gauche française, même à Chevènement. Vous dites à Chevènement, la Corse va avoir son Parlement. Soit il se suicide, soit il prend le maquis. Eh bien, la Corse a son Parlement. Voilà, bon, c'est merci. Alors maintenant, la troisième question, ce n'était pas une question. Slimane Azem, c'est pas un chanteur, c'est un penseur. De mon point de vue, c'est merci, mais ce n'est qu'un point de vue. Je sais que ça peut créer polémique, mais je l'accepte, je l'assume. Nous, en tant que Kabyles, à la différence des Occidentaux. Les Occidentaux, on va dire grosso modo, depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, la pensée occidentale est passée par la poésie qui a été traduite en théâtre. Vous allez de Shakespeare à Molière, à Racine, à qui vous voulez, Corneille, ainsi de suite, Pirandello, et qui sais-je encore, Brecht, c'est de la poésie en théâtre. Nous connaissons la pensée kabyle est passée par la poésie, mais chantée. C'est la seule différence. Vous avez la poésie, forme de théâtre, et vous avez la poésie d'art. Et nous, mais ça c'est moi, pour moi, il y a deux penseurs. Il y a Slimane Azem, et il y a Loni Sait Mengelet. Le reste, c'est des chanteurs. De grands chanteurs. De grands chanteurs, immenses. Mais il y a deux penseurs. Point final à la ligne, et je suis prêt dans une conférence scientifique à aborder ce thème. Deux penseurs, Slimane Azem, Loni Sait Mengelet. Et le reste, il y a des chanteurs de talent qui ont dit des choses extraordinaires, des Matoub, des Yidir, des Chef Khaddam, des Kamel Hamadi, des Chef Hamani, des Tek Mouloud, des gens extraordinaires, extraordinaires. Mais la pensée à la fois de philosophie politique, d'ethnophilosophie et de philosophie universelle, c'est Slimane Azem et Loni Sait Mengelet. Voilà. On n'a pas répondu aux deux premières questions, par contre. Oui, c'est pour ça que je regardais le temps. Ouais. C'était quoi? La première question est une équipe de perception. Ah oui, la perception de Messali. Oui. Ah oui, c'est très important. Ah oui, c'est très, très important. Parce qu'en plus, ça me passionne, puisqu'il s'agit de beaucoup plus de psychologie. Ces 20 dernières années, c'est un thème sur lequel
qui m'intéresse beaucoup. C'est une casquette que, que mon ami Velkassim ne connaît pas de moi. J'ai formé des équipes de psychologues, des équipes de psychiatres pendant des années en programmation neurolinguistique et en analyse transactionnelle. C'est vrai que l'identité, finalement, en psychologie sociale, c'est très simple. L'identité, c'est tout simplement la réponse à « qui suis-je ?». C'est la personne qui répond à cette question-là. Qui suis-je ? Il y en a qui vont dire ben, « je suis instituteur ». L'autre, il va dire ben, « je suis kabyle ». L'autre, il va dire « je suis musulman ». L'autre, il va dire « je suis algérien », etc. Donc, en réalité, il y a l'identité attribuée, l'identité d'un point de vue de la psychologie sociale, hein, il y a l'identité attribuée, celle que les autres vous accordent, mettent l'étiquette sur votre front. Par exemple, nous, Kabyles, si vous demandez à un Américain, ou je ne sais pas, un Français, etc., encore, peut-être qu'un Américain ne sait pas, même pas de quoi il s'agit, mais si vous demandez à quelqu'un qui connaît vaguement, il va dire, oh, vous êtes arabe, vous êtes musulman, vous êtes nord-africain, vous êtes algérien. Voilà, la réponse est celle-là. Donc l'étiquette, c'est ça. C'est comment les autres nous voient, comment ils nous définissent. Après, vous avez l'identité instituée, c'est-à-dire celle qui est dans la Constitution, dans les décrets, dans les textes officiels qui ont été élaborés au cours des décennies, etc. Quelle est l'identité, là ? Il est évident que dans les textes, même si dans les nouvelles, les trois dernières constitutions, il y a évidemment référence à la mazirité, à la langue amazigh, etc., mais quand vous voyez les textes d'application, les décrets, l'obligation de l'arabisation, la langue officielle instituée, mais il y a la langue officielle administrative réelle, la langue politique, etc. Donc, il y a l'identité attribuée, l'identité instituée. Après, évidemment, pour nous, ce qui compte, et c'est ce que disent les psychosociologues, l'identité revendiquée. L'identité revendiquée. Et nous, on se revendique comme Kabyle ou comme Amazigh, ainsi de suite. OK ? Alors, concernant Messali Hajj, l'émir Abdelkader, comment il se revendiquait ? Il se revendiquait musulman. Comme, je vais vous le dire, en face de vous, comme s'est revendiqué Cheikh Ahdez et Cheikh Al-Muqrani. La révolte de Cheikh Ahdez, Cheikh Al-Muqrani, c'était au nom de l'islam. C'était quand il y a eu le décret Crémieux qui a accordé la nationalité française aux juifs d'Algérie, eh bien, Al-Muqrani, Cheikh Ahdez, se sont révoltés. Un chèque à Noural, c'est un dawara. دو وذين لنا من كنيا وقلت دو ضار نصنا خطر في كنا صنا لناسيوناليتي فرانسيز. Donc c'est vous dire que l'identité dans toutes les études, je vous parle évidemment en tant qu'universitaire, après en tant que militant, je peux vous dire plein de choses aussi. L'identité, elle évolue. Elle évolue. L'identité nzih ou qbaylia. Ça dépend à quel moment vous remontez. Est-ce que vous remontez à 20 ans ? Est-ce que vous remontez à 40 ? Est-ce que vous remontez à 60 ? Et ce n'est pas propre aux Kabyles hein, ou aux Mazirs. Hein. C'est propre à beaucoup de peuples. Regardez ceux qui se disent arabes aujourd'hui. Regardez avec les conflits qu'il y a au sein de ces pays-là. Combien de Syriens aujourd'hui, regardez sur le web, c'est des dizaines d'universitaires et de politiques syriens qui disent « Non, nous, on n'est pas des Arabes. » Et ils le disent en arabe. Hein. « Nous, on n'est pas des Arabes, on est des Assyro-Chaldéens ou des Assyriens ou des Syriens. » Pareil pour les Libanais, pareil pour les Irakiens, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une décantation. Moi, j'ai été au Yémen. J'ai eu la chance d'avoir été envoyé par une entreprise française pour faire du coaching et de la formation au Yémen. C'est un pays extraordinaire.
Là, je vais vous raconter cette anecdote, mais il vaut mieux que je la continue tout à l'heure en cercle, que ce ne soit pas sur le micro, pour la suite un peu drôle à vous donner. Mais je termine là-dessus. J'ai été au Yémen. Une fois que j'ai fait ma mission, j'ai pris 15 jours juste pour connaître le Yémen. Donc j'ai pris un guide yéménite qui parlait parfaitement bien français et anglais. Et il bouillait partout. Alors, au cœur du Hadramaut, où nous avons travaillé, d'ailleurs, ils ont découvert d'ailleurs, la guerre qu'a livrée l'Arabie Saoudite au Yémen. On dit officiellement dans les médias que c'est un problème chiite, sunnite, etc. C'est de la blague. Moi, j'ai participé, j'ai même été dans des réunions avec, je pense que je peux le dire maintenant, parce que ça fait au moins 10 ans, avec Total, qui a investi 4,5 milliards de dollars parce qu'ils ont trouvé des gisements de pétrole et de gaz à moins de 100 km de l'océan Indien. Donc vous voyez le Yémen à côté de l'Arabie Saoudite devenir une puissance pétrolière ou gazière. D'où la guerre. Dès que je suis revenu du Yémen, où il y a eu cet investissement colossal, et il devait faire d'ailleurs une université en plein Hadramaut, une université, des collèges, des lycées, etc., tout pour un environnement qui soit évidemment, qui accepte ces investissements-là. Et avec un débouché, encore une fois, sur l'océan Indien, à 100 km de Oman. Eh bien, quand j'étais invité dans un petit village yéménite, moi, je me faisais passer pour un Français pour des raisons de sécurité, à l'époque. Et on m'a obligé aussi, parce que j'étais missionné par une entreprise française. Après, les guides... On était en train de prendre du khat, je sais pas, tout le monde sait ce que c'est que le khat. Le khat, c'est une plante un peu comme du hash. C'est-à-dire, tu mâches pendant quelques heures, tu vois. Voilà. Donc, le khat, c'était une consommation nationale au Yémen. Donc, on était un peu euphorique et tout ça, on a mâché du khat, ils étaient en train de faire des brochettes et tout ça. Et alors, le guide qui avait pris un peu plus de khat, parce qu'il est réglo, il était payé pour faire visiter des trucs, très réglo, il ne dépassait pas. Là. Mais ce jour-là, il s'est permis. Il dit, monsieur Khira, je peux vous poser une question? Il dit, non, bien sûr. Mais votre prénom, c'est Hassan, ce n'est pas un prénom musulman. Non, si. Il dit, vous êtes originaire de quel pays? Non, Algérie. Ouais, il a appelé tous les gens qui étaient là, il y avait une cinquantaine de personnes. Vous vous rendrez bouni de Guinée. Tsouron, Bled, Amirosh, Bled, Amirosh. Au cœur du Yémen, dans les hautes montagnes du Yémen, Bled Amirosh. C'était ni Bled Boumdien, ni Bled Benbella, ni Bled Zidane, ni Bled Amirosh. C'est vous dire justement qu'il y a un capital historique qu'on n'exploite pas, qu'il y a un capital justement émotionnel aussi. Vous voyez dans quel état je suis. Un capital émotionnel que la guerre de libération algérienne a induit chez beaucoup de peuples. Jamais j'aurais imaginé qu'au cœur du Yémen, on me soulève et que pour eux, j'incarnais cette révolution-là. Et celui qui l'incarnait vraiment au plus haut niveau, c'était le colonel Amirosh. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc, comment Messali et Abdelkader se positionnaient? Ils se positionnaient comme anticolonialistes et comme musulmans. Et très certainement aussi, petit à petit, du moins pour Messali, comme algérien, parce qu'il avait créé le MNA. Donc, le MNA, évidemment, c'était un parti concurrent au FLN, mais c'était un parti algérianiste. Voilà, je vous remercie. Dans cette question, il avait une deuxième question, un deuxième volet à la question et un deuxième volet à cette question. Donc, il voulait savoir... Merci de veiller à ça. Oui, mais il faudrait vraiment qu'on essaie d'être concis. Oui. Il nous reste encore trois personnes qui ont levé la main, quatre. Donc, okay, il voulait savoir la chronologie
des œuvres de Slimane. Ah oui, mais c'est un travail énorme. C'est, il faut lire. Enfin, je ne vais pas pousser à acheter le livre, mais c'est un travail extrêmement difficile. Et on va dire, il a commencé évidemment. La première, le premier texte chanté, le premier poème, c'était Amouh Amouh Kermat Dodan Roch en 1942 et qui a été chanté en 1946. Donc il a été écrit quand il était, il était arrêté et, dans les camps allemands. Donc, Slimane Azem a été arrêté dans le cadre des STO, donc le service de travail obligatoire. Et donc, il était en Allemagne. Et c'était à ce moment-là qu'il avait écrit ce texte, mais il l'a chanté qu'à la libération, donc en 1946. Donc, moi, ce qui me semble important surtout, ce sont les textes, les trois grands textes dans mon livre. Frère Jalata Murthio, 1956 et qui a été interdit par la police française. Yadhar Douagour juste après, 57 ou 58. Et évidemment, Inassi El Fellaini en 1959, donc juste après l'attentat du FLN contre Messali Hadj, donc en France, dans l'Oise. Après, évidemment, il y a eu toutes les compositions contre le régime de Bembella et Boumdien, notamment Mkarkar Boumzoun, comment Le Théurgène, etc. Donc, toutes les compositions qui ont été faites contre la dictature du début de l'Algérie indépendante. Et après, évidemment, dans les années 80, il a chanté aussi le mouvement de 80. Oui, Bebarayou, c'était direct, je le dis, contre Boumdine qui se montrait évidemment comme étant le leader incontesté, etc., alors qu'il était venu par un coup de force, par un coup d'État contre son ami, contre Bembella. Voilà. Donc, il y a une chronologie, je ne l'ai pas faite. Par contre, j'ai le répertoire dans le livre. Mais s'il y a un détail que vous voulez savoir, c'est avec plaisir. Je m'excuse de raccourcir les réponses et les questions parce qu'on a encore donc Jamel Ali. Ensuite, il a été quatrième. Je le disais. Les quatre. Voilà, oui. Ça veut dire les quatre. Donc, Jamel. La sociologue, la géopolitique, la politicienne. C'est deux questions là-dessus. La première, est-ce que, d'après vous, Slimane Azem, s'il est resté en Algérie, il n'était pas exilé, serait toujours le même homme politicien, géologue, géopolitique, etc. Est-ce qu'il va se lancer là-dessus, d'après vous? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, d'après tous ces critères que nous attribuons à Slimane Azem, pensez-vous que pardon, ma question, ça me revient. Est-ce que, ou bien de quels moyens peut-on profiter, ou bien tirer profit de toutes ces pensées de Slimane Azem? Déjà, les premières conquêtes qu'on a portées, les premières ripostes qui étaient ripostées dans la limite du Sabat à se défendre à Alger, au nom de l'art. Donc, aussi, enfin, au milieu, il y a cette dominance, le MNA, l'âge de Slimane Azem, c'est l'influence de la confrérie qui est sur l'âge, mais ça rachute, je ne peux pas faire le cas. Peut-être c'est plus de la sociologie, c'est plus porteur, mais je ne sais pas. Il y a une
Mais tu sais des machines qui ici comme quoi l'appel contre le FLN, mais les, même les artistes après, les consommateurs, le FNU à l'intérieur de le FLN. Il y a aussi la coïncidence avec la PD par la Mouzava et que tu demandes à ce des gratifications, qui dit à jouer la version anglais. Alors grâce inédite d'Aquinir, je fais un parallèle avec la Francine Ferraoui, que vos frères d'aujourd'hui, vos ennemis de demain sont pires que vos ennemis d'aujourd'hui. Donc c'est un avis, mais tu l'as puisque le travail est même plus. Il y a un agent de justice, il couvre l'âge, mais il n'est pas la vie par rapport à ce qu'il souhaite. Mais la vision, c'est très bien. Est-ce qu'on connaît les réactions de Slimane Hassan aux polémiques qui l'entourent? Slimane Hassan, s'il était resté en Algérie, est-ce qu'il aurait été le même? C'est évidemment très difficile de répondre. Mais connaissant le personnage maintenant, surtout à travers son œuvre, lui, je ne l'ai pas vraiment connu. Je l'ai rencontré évidemment, mais j'ai rencontré beaucoup plus son frère Oujma. Et beaucoup de ses neveux, ses nièces, etc. Mais surtout son œuvre. C'est surtout son œuvre dans laquelle j'ai tenté de rentrer au mieux avec mes petites connaissances. Je pense qu'elle aurait été le même, oui. La preuve, c'est que Lounis est resté en Algérie. Et vous voyez, il est resté le même. Voilà. Donc, pour moi, c'est une réponse. Il suffit de voir Lounis Aït pour se dire. Qu'est-ce qu'aurait été ce manasme à l'intérieur du pays. Alors, comment on peut tirer profit de l'œuvre? Ça, c'est une excellente question. Moi, je pense qu'il faut... Il faut un débat. Oui, non seulement plus... Oui, mais vraiment très, très rapidement. D'abord, faire connaître sa pensée. C'est extrêmement... Déjà, réécouter ses chansons... peut-être, vous qui êtes là, justement, présent, réécouter son répertoire à travers cette nouvelle lunette que je vous propose. C'est-à-dire, tout simplement, la lunette universitaire, la lunette analytique. C'est-à-dire en utilisant à la fois l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, etc., comme le dit d'ailleurs mon ami Achor Ouamara, qui a fait un petit résumé sur mon livre qui vous a été distribué. Donc, on peut évidemment tirer profit à la fois de sa pensée, de la profondeur de sa pensée, comme on tirerait profit de Shakespeare, de Corneille, de n'importe quel... de Azim Hikmet, de je ne sais pas qui d'autre, hein, de n'importe quel penseur. Voilà, de chez nous ou de l'extérieur. Hein. Voilà, donc multiplier. Et pourquoi pas créer des ateliers, encourager des jeunes à apprendre à jouer, à chanter les chansons de Slimane Hassan. Moi, je rêve, par exemple, d'un atelier, puisque pendant tout le Hirak, on a vu les gens de Bab El Oued et de la Kasbah dire « Et Bab El Oued, Kasbah, Bab El Oued, Imaziran » pendant des semaines et des semaines et des semaines, pourquoi pas un atelier Slimane Hassan dans ces quartiers-là. Profiter du fait que le pouvoir lui-même, je veux dire l'éducation nationale, a introduit Slimane Hassan dans ses outils pédagogiques, dans un livre, c'est extraordinaire. Donc il n'y a pas fermeture. C'est tout ça. Mais le pouvoir n'est pas monolithique. Hein. Il ne faut pas croire. Moi, quand je vois comment Ali Erdiri est en prison, paye justement sa différence, comment le général Ben Hadid paye sa différence, etc. On ne peut pas voir l'année que du noir. Hein. Il y a des gens, ceux qui sont à l'intérieur du système, ils souffrent plus que nous, opposants. Nous, militants d'opposition, ben on a des processus de réparation parce qu'en Agde, etc. Mais à l'intérieur du système, il y a de hauts fonctionnaires civils et militaires qui ne peuvent pas dire grand-chose et qui ne sont pas d'accord avec les méthodes utilisées. Ils n'ont pas envie que le système reproduise les méthodes coloniales. Ce n'est pas possible. L'Algérie a donné les meilleurs de ses fils, les meilleurs de ses filles, pour que l'Algérien vive libre,
Ce n'est pas uniquement pour décoloniser, mais pour que l'Algérien devienne un citoyen libre. Et à l'intérieur du système, ils sont peut-être minoritaires, j'en sais rien, peut-être qu'ils sont majoritaires. Qui sait ? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus ? Personne ne sait. Aujourd'hui, à l'intérieur du système, quels sont ceux qui sont pour ces méthodes, justement, carcérales, répressives, de bâillonnement, d'emprisonnement des journalistes, de militants, etc., etc. Et ceux qui sont malheureux par rapport à ça. Qui me dit qu'un juge qui prend la décision de condamner n'est pas justement harakiri ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, je vais vous dire... Voilà. Donc, c'est des questions... La prochaine question. Comment donc tirer profit, de l'œuvre de Slimane Azem, c'est de nous poser toutes les questions à travers son œuvre. C'est à la fois le narcissisme, la mégalomanie, etc., et que justement ça nous joue un vilain tour. C'est pas que pour nous qui entendons de Slimane, mais c'est aussi les gens qui sont à l'intérieur du système. Prochaine question. Alors, l'arche, c'est ça ? L'arche, voilà. Mais, on va d'abord, la question. Si un universitaire qui parle des arches, parmi les Algériens, c'est Hassan Hirech. Donc, qui est l'avenir pour l'Algérie, soit comment je parle des arches, justement, etc. Et bien évidemment, c'est un ensemble. J'ai parlé de tous les ancrages possibles qui ont fait la pensée azémienne. Tout, voilà. Tout ce que j'ai cru être possible, évidemment, Chimara al-Mouris, Chimara al-Lövris. Voilà. Donc, oui, bien sûr, l'arche, c'est... Alors... Le Flani, les artistes aussi ont véhiculé l'idée que c'était contre le FLN. C'est une interprétation qui a été faite par certains. Et si vous regardez la chronologie, justement, quelqu'un a parlé de chronologie. Oui, c'est vraiment intéressant. Le reproche fait à Slimane Azem sur Inassil Flani, c'est à partir de 1967. Au Timid Midfar en 1959. À partir de 67. Donc, après, il y a eu évidemment une espèce de retour en arrière, c'est-à-dire une pensée anachronique sur ce texte-là. Puisqu'on a pris en 67 le contexte de 67, effectivement, l'Algérie a eu une position pro-palestinienne qui peut se discuter ou pas, je n'en sais rien, j'ai mon avis là-dessus. Mais c'est pas je pense pas que ce soit le lieu. Mais ça n'a rien à voir ni avec la paix des braves. En fait, la paix des braves, c'est une tactique gaulienne qui consistait seulement à prendre le Sahara. Vous voulez garder le Sahara et nous donner l'Algérie du Nord. Kerim Belkacem, en personne, elle a dit, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang pour avoir la première goutte de pétrole. C'était clair, net et précis. Voilà, je crois que tout est dit, la messe est dite. Voilà, exactement. Attends, c'est conférence. Après les réactions de Slimane Azem, oui. Polémique, je vais vous dire, il était un peu très déçu, très, très malade. Il dit d'ailleurs dans une interview qui a été faite à l'époque. Je ne sais plus la radio, Radio Tamazir, me semble-t-il, avec Han Saadi, avec Mouhia, avec Saïd Boudaoui, où il disait qu'il en était effectivement malade de tout cela. Mais qu'il disait, c'est très simple, il revient, lui, justement, en 1967. Il dit, écoutez, Iromien, ils ont interdit ces deux chansons. Il le dit lui-même dans une interview. Il dit,
au lieu d'interdire justement une sylphlanière, éventuellement un mkharkhar bmdoun, des choses comme ça, ils ont interdit tout l'œuvre. Ils ont dit que c'est un 5-6 ans, Donc effectivement, on était malade, mais ça ne l'a pas affecté au sens de baisser les bras. Ça l'a rendu encore plus combatif. Voilà. Sliman Azem est resté combatif jusqu'au dernier souffle. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir assisté à son dernier gala en 1982 à l'Olympia. Et il avait pratiquement une voix éteinte. Je le dis dans mon livre, d'ailleurs. Et il avait quand même ce courage de continuer jusqu'à la dernière minute de se battre pour son peuple. Et je crois que les pédagogues qui ont introduit dans le livre de 4e AM, ils ont compris que Sliman Azem était un grand nationaliste. Et ils l'ont mis au programme, justement, de tous les jeunes Algériens. Et je crois que ça, c'est très important. C'est une réponse aux polémiques. Donc, sa réaction, c'est qu'il en était triste, il en était affecté, il a dit que c'était injustifié, il a dit comment il aurait dû être censuré en disant « Oui, censurez les textes que vous pensez être contre vous, mais ne censurez pas toute l'œuvre. » C'est ce que les Français ont fait en 57, et donc voilà, et Sliman Azem est resté droit dans ses bottes. Il a tout le temps été du côté de son peuple, et je vous remercie vivement. تسمح لي حكينا ونفتسي عادي واسن الصف 13 ديماغو الكولاج دو روزمو avec le docteur Saïd Saadi c'est au collège de Rosemont sur la 16e Bobia à 14h comme d'habitude ازول حسان ازول كريمه ثاني مثلا فرصه لك قد في كذاك كان في سليمان عازم تقول لي سيس يتهيس خدمه اول كم زوارو في دليس كنت سارك كان في كذاك أولا مزورو هاد مشتاق رشيد تاع لوقاسين اي دي ارنتي كلت مزورو اي من 2013 كنا دمسلاي في سليمان عزم مسلاي داتا ساتا سيميرني في 12 محاموح نخدم الفلاس يعني تكتيوين اون اناليز psychologique, historique, voilà, par rapport à l'exil, par rapport à notre culture, etc. Donc, dans ce niveau, il y a des milliers, qui font harmler sous le édition, font s'installer. Nous avons fait des niveaux amis de Swat. جيميرن ما كنكش انا سليمان عزم امشي اغضب ارسكين فيكتينس فيكتيوني انس امشي يعني ادرس تمديز تينس تزمر هذا تعاون الساكين يسموغلي يدرس ناض يسموث القبائل يسموث تمازغا هذا زمان نسورف اكينا اخطر اساتي كثيرين ما كان خارنا ماشي كان ليتونو فيلوزوفي استادير لا فيلوزوفي يقول لنا اسمو في القبائل الجدودنا مثل اوسي لا فيلوزوفي يونيفرسيل لا جيوبوليتيك لا ليكولوجي لا بحسو سليمان عزم لوفر دو سليمان عزم تيلمون ايبيس que ce que j'ai écrit en 170 pages, c'est une feuille. C'est une petite feuille sur son œuvre extraordinairement grande d'ampleur et de profondeur. سليمان عزمي لاق ماشي ديون كان عايش خدمه الفلاس الا كنقارن لي زونيفرسيتي اوكسيدونتو يفوا ان روغار كروازي Un regard croisé, il faut des psychologues, des anthropologues, des historiens, des sociologues, etc. Khatar machi yutmorlikan la makn khadman f Bertolt Brecht, na Corneille, na Pirandello, na les grands, na Victor Hugo, etc. Ou alors c'est des universités entières qui khadman sur leurs œuvres et donc ikni la khoule Sliman Azem.
ما إلا كرا وسم فار أن نخدم في أرخ من وياض أما ذي استوان أما ذي 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 المادنا عندما دان عندما لان ذا شو زم رضا سنتين ذا شو بفريدة أراد فرن شو نادي أرخ يخصنا ما زال يقلق ما ذا يغز ذيكس أنا ذي أتس أتس ولا قرأ فنادم ذي مقول كان شو مثين فانا تديني في اللاسة تديني في سليمان أزماجي يمكن ذي والتاع كوست محسوب يتيشي وينين السيديولوجين إلا فنادم هذه مقل مش أريد طف شطح كيجين من بعد ثمغلين ستيني شطح من بعد يمكن يكن هذه ولين أشد الناس اللي ما نازم ذي الوقت النينس ما تشذي مقل أمشى رئيس تنفعيس الساقيم هذه مقل أمكس اللي ما نعزم يديه دار في سرثي ثمارن يديه دار في ثمتي يديه دار في الجناس يديه دار في الزاية في ثمورة القبائل يديه دار في غريفة يديه دار في نظارون ميرن يديه دار في ثيري يديه دار في مكان تمطوس يديه دار في مكان ونازور كنت مدياست فوالا دونك الى نادم الساقي اديني غير وذ مزيان اديني يفو بروندر دو ركول ماتين هذه خدم في سليمان عزم يكين كان هذه مقل مشى ردي الدم سي سليمان عزم اين فايت كين كان هذه سعدي تكثي وينينس ثاني ميرتي إيش ما كريمة مش عارف ينظر في سارة يبي تأخذ ما هو سارة هي قيلة ضغاء وقيمة كون دينير ثمولي نور في سليمان عزم سكزيك وفرتي دكرتي تقارنو لذويذ أميما مفافا يدرن ثالثي هي تفانتو غاشينس قارنا غيد تالان غير دهم مطاس السان من سلان وسراكين مسحيرش ينايا غيد تالي فرق نتير قوى يا الفرقة ذا شو تصوض يا الثغوش غفا شو تحكى تصوض ذقو مزروينا تصوض ذقو نسيننا ذق العوايذنا ذقو ينغد جاني مزورا ثلدي غد ثبورا غفين دي ثدون غفين غدي الزين أما ذين يرزان ثمورة القفايل نغمان فغسيس غار ثمورة الجزائر ما سينا كن من عدد دي ويلا غيرك اللي غردينا سامس حيرش ذا يجين إدهم ضاق يوم ضاع ديرني لقد عاود ثغوري لقد الصغاكو وين ولا غف سليمان عازم مزوني نايد اين تصنضك دروس اين تزريض كتسوث عاود السد عاود مقليث وانا ذي الى قضي لي لسنان اكن دنيغ تيرغوا ماشي ذا سيف كان نسولي زيك ذا سيف ثورا يسف كان ضفر ولا تيرغوا ديفرنت كوا سيف كي ثاني مرة وانا في تفضل لغتها كين وانا تفا كاكيا امي دو سما هذا قيت كما قدرت كما القيمة ايو كني اصواض وانا دي سيغوض ثيكتي وين النار ثاني مرة وانا ارتكلت النار